Le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, a effectué le déplacement dans la commune de Balou, le département de Bakel. Dans les villages de Arundou, Yafera, Golmi, Kungani, entre autres, le ministre a fait le constat. Pour nous faire une idée plus précise de l'étendue du sinistre survenu à la suite du débordement des eaux du fleuve Sénégal. Comme vous le savez, c'est un phénomène qui procède en fait du dérèglement climatique que nous observons actuellement partout dans le monde. Il y a des phénomènes comme ça, comme des inondations en Europe, en Asie, en Afrique, dans d'autres pays. Et voilà, nous sommes en train d'expérimenter une situation exceptionnelle. Tout manque dans cette partie du Gadiaga. L'eau, l'électricité, le réseau téléphonique, les vivres sont introuvables. Sans nouvelles, les proches de ces villageois établis à l'étranger s'inquiètent. À la fin de sa visite, le ministre de l'Intérieur a pris acte sans pour autant annoncer des mesures concrètes. Pour l'heure, la crue monte tous les jours du côté des deux rives, de quoi alimenter les inquiétudes des habitants de la vallée du fleuve Sénégal. Animateur, présentateur, on a un rappeur, on présente moi sinon ouri El Jahali TV. Dans la tour, une tour, on balade.